Une demi-finale, c'est toujours un moment important. C'est la dernière étape avant éventuellement une finale. Et c'est vrai que c'est. On s'est offert cette chance-là. On a eu un parcours qui était somme toute pas facile. On est allé gagner à Châteauroux. On a battu Nice, qui n'avait perdu qu'un match sur la première partie de saison. On les a battus chez nous. On a battu Guingamp aussi, qui était une des équipes en forme de la poule aller. Voilà, et là on a la chance de recevoir. Et c'est un grand moment pour tout le monde, pour nous, pour les joueurs, pour le public évidemment, pour le club. Après, c'est un gros défi, parce que Paris est une très grosse équipe. Et donc le rapport de force sera difficile, mais on va tout donner pour faire cet exploit-là. On a avancé quand même depuis, parce que bon, la première partie de saison, on ne va pas revenir dessus, ça a été en dents de scie. On est bien reparti depuis la reprise en étant plus présent, plus saignant, plus cohérent aussi, je pense. Après, ça reste une demi. Dans une demi, il peut tout se passer. Voilà, y a pas de. On sait qu'il n'y aura pas de prolongation, qu'un match nul emmène les deux équipes au tir au but. Ça peut être aussi ce scénario-là. On verra. En tout cas, on va tout donner pour gagner avant la fin du temps réglementaire. Je pense qu'on est mieux armé aujourd'hui. Je pense qu'on est mieux armé. On a plus de vécu ensemble. L'équipe est je pense, assez équilibrée actuellement. Mais après, c'est Paris en face. Et battre Paris, c'est toujours un défi. Bah, ils font souffrir leurs adversaires. Ils sont toujours aussi efficaces. Ils sont capables de la tenir et de sanctionner sur des attaques rapides. Ils sont bons sur coup de pied arrêté aussi. Voilà, on sait que contre Paris, on a un besoin de faire zéro faute, d'être concentré tout le temps et puis d'exploiter les occasions qu'on pourra avoir. On a vu que sur tous leurs matchs, y compris contre Nantes le dernier, où Nantes a une vraie occasion de but d'entrée. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas rater contre Paris. Ouais, mais ils ont l'habitude de ça, ils ont l'habitude de jouer des matchs. Je pense effectivement que leur match de dimanche prochain contre Monaco sera un sommet de la saison. Sans doute plus que cette demi-finale, mais ils vont vouloir continuer à faire se donner la chance de la gagner, la Coupe de la Ligue. Ils ont l'habitude ces dernières saisons. Voilà. Mais on est chez nous et on va donner 500% pour l'exploit.